Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Tintintintin, regardez-moi ça. Qu'est-ce qu'il est beau. Oui, je suis allée faire un petit tour, ben voilà, hein, là, et pas que, voilà. Je suis allée donc chez Action et chez Noz. Alors, je suis allée au Noz, bah, aux deux en fait. Je suis allée au Noz de Alon et celui qui est du côté d'Auchan. Par contre, je suis allée que au Action à Alon. Voilà. Et j'ai trouvé plein de nouveautés chez Action. Alors là, je suis trop contente. Vraiment trop contente. Et j'ai trouvé des petites choses à Noz, évidemment, comme toujours. De toute façon, on arrive toujours à trouver un petit truc par-ci, un petit truc par-là. Mais bon, j'étais déçue parce que je suis allée là-bas pour quelque chose en particulier. Il y a une copinette qui m'avait mis qui m'avait envoyé un message en train de me dire à Alon, il y a ça, ça, ça. Et jeudi, je crois. Elle m'a envoyé jeudi, mais bon, après, moi, je devais aller aujourd'hui. Hein, et comment dire, non, pas aujourd'hui, hier. Je devais aller hier pour récupérer ma fille, mais du coup, non, changement de plan. En fait, j'étais que ce matin. Donc, forcément, bah, j'étais que dans la matinée à Lod. Et donc, il n'y avait plus ce qui me plaisait en particulier. J'ai quand même trouvé des choses, hein, mais malheureusement, voilà, parce que je... Alors, il y avait une qui se battait en duel toute seule pour me narguer. Vous allez comprendre quoi. Bon, alors, allez, on commence. Donc, voilà ce que j'ai trouvé déjà, comme toujours. Alors, bon, là, je n'ai pas besoin de vous le défaire. Hein, c'est du... en plus, je crois que j'en ai déjà pris du comme ça. C'était 79 centimes. Vous avez 50 mètres. Voilà, et il doit faire 3 mm, je pense que c'est ça, 3 mm de largeur, c'est pas grand ça, il me semble que c'est ça, et ça m'embête de le défaire parce qu'après là il est bien coincé dedans, en tout cas c'est tout petit, si je crois que c'est 3 mm, c'est quoi qui a marqué exactement, alors attendez, alors largeur en mètres, 3 coloris, 25 de 50 mètres. Largeur 3. Bah, écoutez, je ne sais pas. En tout cas, c'est tout fin. Voilà, c'est tout petit. Et c'est, je pense que c'est 3 mm. Voilà. Ensuite, il y a celui-là qui est trop beau. Qui était lui aussi à 79 centimes. Par contre, il y en a beaucoup moins, évidemment, hein, puisqu'il fait 2 cm et demi de largeur et il fait que 3 mètres. Mais j'ai trouvé que c'était très joli. Alors, attendez. Que j'arrive à défaire. Hop, si j'y arrive. Hein, parce que des fois... Alors. Voilà. Regardez. Il est trop beau. Voilà. Regardez ça. Normalement, j'ai une feuille blanche qui doit être pour là. On va mettre sur une petite feuille blanche. Voilà, et regardez, franchement, il est trop beau. C'est des petites couleurs. Enfin, disons, ça fait un peu les couleurs de Pâques, mais c'est pas grave. Moi, ces couleurs-là, je les aime tout le temps. Hein. Il n'y a pas qu'à Pâques. Je trouve que c'est très joli, ce petit rose, ce petit vert et ce petit jaune. Voilà, ça fait le printemps. Voilà, c'est très mignon. Et donc, il y a 3 mètres et c'est 79 centimes. Voilà. Il y avait plein de rubans. Franchement, pour les filles qui... bon, c'est pas grave. Mais ça m'embête en même temps. Alors, hop. Non, ça va être dans ce sens-là. Voilà. Je vais le remettre. Bon, il faut que je me dépêche parce que ma vidéo elle va être très longue avec tout ce que j'ai trouvé chez Action. Je mets l'eau à la bouche. Hop. Allez, voilà. Là, et j'ai trouvé celui-là. Alors, je le trouve trop beau. Je ne l'ai pas vu déballer. C'était 99 centimes. Il est large, mais il m'a énormément plu. Alors, on va faire pareil, la même technique. Regardez-moi ça.
Il est juste splendide. Hein. Regardez. Alors là, par exemple, regardez. Sur du blanc. On voit pas beaucoup. Hein. Alors, attendez. On va prendre une autre couleur. Là, j'ai du rose. C'est juste. Le rose, on va prendre une couleur un peu plus foncée. Regardez, avec une couleur un peu plus foncée. Regardez. Je trouve qu'il est vraiment magnifique. Et donc là, il fait 4 cm de largeur. Et il y a 3 mètres. Voilà. Et c'était 99 centimes. Mais vraiment, il est trop beau. Je ne sais pas vraiment ce que je vais faire avec. Qui sait, peut-être faire un petit paquet cadeau. Je ne sais pas. Mais il est trop beau. Ça m'étonnerait que je fasse un paquet cadeau comme ça avec. À mon avis, c'est un qui va aller de côté, que je vais garder un certain moment avant de me décider à l'utiliser parce que je trouve qu'il est trop beau. Et oui, c'est pour ça que je suis une vraie catastrophe. Voilà. Donc, voilà pour mes petites, pour mes petits rubans. Vous savez que j'adore ça. Donc, voilà, il n'y a rien de spécial. J'ai repris des petits pinceaux comme ça. J'en avais pris l'autre jour déjà et j'ai bien aimé, surtout les tout fins en fait, pour mes petits coloriages, puisque j'en avais pas beaucoup des tout fins. Et voilà, c'est 79 centimes. Hein, voilà. Ensuite, j'ai pris ça. Alors, ça, j'ai pris parce que c'est à cause de... de notre copinette Sylvie de la chaîne Vie Création. Voilà. Parce que l'autre jour, elle faisait des collages de serviettes. Et en fait, elle a utilisé un truc comme ça. Et j'ai trouvé que c'était pas mal du tout, en fait. Hein. Voilà. Elle utilise ça pour... Par contre, je trouve que c'est quand même mou. Hein. Mais comme il ne faut pas, justement, il ne faut pas que ce soit... faut que ce soit léger. Donc, je me suis dit, ben, quand j'en trouverai, j'achèterai pour voir. Et ben, du coup, il y avait, bon, c'était 1,99€. Les, alors, il y a ça dans le paquet. Voilà. Là, là. Voilà. Et donc, elle l'utilise pour mettre la colle pour les serviettes, pour faire du serviettage sur du papier... vous savez, les emballages de céréales, je crois, si je dis pas de bêtises. Et après, elle se sert de ça pour faire les couvertures de ses petits albums. Voilà. Et du coup, bah, quand j'ai vu, je suis tombée dessus, je dis, oh, bah, donc j'ai une grande pensée pour toi, Sylvie. Et j'en ai pris. Voilà. Comme ça, je vais tester. Parce que moi, pour le serviettage, j'utilise toujours bah, des pinceaux. Et c'est vrai que des fois, c'est moins évident que d'autres. Mais bon, après, ça marche bien aussi. Hein. Mais là, bon, j'étais curieuse. Alors, j'ai dit, bon, allez, pour le prix, voilà, 1,99€. Voilà. Et si vraiment, ça ne me plaît pas trop, je peux toujours donner à un gamin. Quand il y a un gamin qui vient, on verra bien. Donc, voilà, c'était 1,99€. Voilà. Et c'est des éponges pour brosse, ou je ne sais pas comment ils appellent ça. Voilà. Donc, il y en a 5 pour 1,99€. Ensuite, alors, j'ai trouvé ces petits lapins de Rainer, ou Rayer, voilà. Bon, il n'y avait que ça, hein. Bon, pack est fini, mais je me suis dit, oh, c'est pas grave pour l'année prochaine. Et puis, je les trouve trop mignons, alors... c'est tous les mêmes. Il doit avoir 10 ou 12. Regardez, c'est le petit lapin en bois avec l'œuf. Je trouve que c'est pas mal pour... voilà, vous avez... c'est pas tous les mêmes. Il y en a un qui regarde d'un côté, l'autre de l'autre. Ça, c'est bien quand il y a dans les deux sens. Parce que des fois, c'est bête quand il n'y a que dans un sens. Vous voyez, comme ça, on peut mettre, ils se regardent. Voilà, c'est des couples. Voilà. C'est des couples, voilà. Donc, il y a 4 couples. Et donc, c'était 59 centimes. J'ai chaud, moi. Il est quelle heure? Il est, on est samedi. Donc, j'étais aujourd'hui.
J'aime pas trop faire les boutiques le samedi, mais après, comme j'étais ce matin chercher ma fille tout de suite le matin, donc on a été à Action et Noz avant midi. Et après, on a été manger. Et après, on est passé à Kiabi. Mais bon, voilà, il y avait du monde, mais voilà, sans plus. C'est plus à Noz qu'il y avait du monde. Quand je suis allée au Noz à Alonne, oula, il y avait une de ces queues, mais bon, ça va, c'est allé vite. Alors ensuite, j'ai trouvé ces petits papillons, voilà. Alors je me dis qu'en fait, c'est super facile à faire, hein. Mais là, bon, c'était 59 centimes. Je trouvais que les couleurs, elles étaient jolies. Je vais poser, ça va être peut-être mieux. Des fois, c'est mieux quand c'est posé. Et je trouvais que les couleurs, elles étaient très jolies. Je ne sais pas vous, mais par contre, alors, du petit fil comme ça, j'en ai. Et franchement, bah, c'est super simple quand même. Hein. Il suffit d'y penser, hein, mais... Et alors maintenant, je vais vous montrer la raison pour laquelle je suis allée et que j'étais un peu triste ou nette. C'était ces petites fleurs-là. Alors là, j'ai trouvé dans les violettes, j'ai trouvé que des grosses comme ça. Et donc, c'était 99 centimes les 200 en fait. Et vous savez que j'adore ces fleurs comme ça et des roses en fait. Du coup, bah voilà, hein, j'ai pris. Mais moi, j'étais allée, c'était pour cela, les toutes petites comme ça, voilà. Là, c'est des jaunes, mais il y en avait des roses et il y en avait une dans le présentoir en fait. Il y en avait une toute petite comme ça, un beau rose. J'en étais malade. Je dis mince, moi c'était ça que je voulais avoir. Mais il y en avait pas, il y en avait pas. C'est pour ça que du coup, je suis allée après à l'autre. D'ailleurs, je n'ai même pas vu que c'était ouvert. Ça se fait, il n'y en a même plus de 100 dedans. Mais bon, de toute façon, il y a toujours assez, mais bon. Et donc, vous voyez, elles sont toutes vraiment... voilà, j'aime bien. C'est tout petit. Et on peut facilement les caser dans les cartes. Voilà. Et donc, les roses, elles étaient trop belles. Et ben, si j'avais eu rose ou les violettes aussi, j'aimais beaucoup. Mais il n'y en avait plus. Donc, bon, tant pis, hein. Il y avait que des grosses, même en rose, il n'y avait pas des grosses. Hein. Dans les grosses, il y avait des violettes, il y avait d'autres styles que ça. Mais bon, j'ai pris celui-là, les autres, je n'aimais pas beaucoup, je préférais ceux-là. Les autres, elles étaient en rond. Ceux-là, c'est un peu comme en triangle. Et puis voilà. Et après, voilà, j'ai trouvé les petits nœuds qui sont très mignons aussi. Mais il y avait que des jaunes. Voilà, alors hop, vous avez le petit nœud avec les deux petites perles. Franchement, quand vous voyez le travail, 200 pièces pour 99 centimes, là, je peux vous dire que c'est une affaire, hein, vraiment. Parce que, bon, mais bon, il n'y avait qu'en jaune. Voilà, ça va encore, c'est un joli jaune. La même chose en blanc, j'aurais adoré. Et pour finir... Et eh ben, il y avait des petites roses blanches, mais bon, elles sont pas géniales. Mais j'aime bien quand même, hein. Mais c'est pas celles que je préfère. J'aurais préféré comme les jaunes. Là, vous savez, elles sont comme ça. Voilà. Ça fait comme s'il y avait un petit nœud. Voilà, c'est des boutons de rose. Voilà, c'est des boutons. Voilà, c'est comme ça. Je ne sais pas si vous voyez. Ouais, c'est comme ça et c'est blanc. Mais bon, moi j'aime bien. Donc ça, je peux très facilement les utiliser dans mes créations. La seule chose que je regrette, voilà, c'est les roses. Parce qu'elles étaient très belles, les roses. Donc voilà, j'ai pris ça. Donc vous voyez, là, j'ai même pas 4 euros en fait, puisque c'est 99 centimes pièce. Voilà, et chaque fois, il y a 200 dedans. Donc j'ai pris que ça. Après, je me suis pris. Il y avait des pochettes, il y avait des très belles pochettes en plastique comme ça. Il y avait avec d'autres dessins, hein, il y avait d'autres choses. Moi, du coup, j'ai pris avec les feuillages. Voilà, comme là, j'ai fait pas mal de... Ben, vous voyez, par exemple, mes impressions. Et ben, comme ça, je pourrais faire des pochettes avec des... Par exemple, les, je sais pas, moi...
J'ai avec des personnages, j'ai avec les femmes vintage, par exemple, une pochette que avec les femmes vintage. Je trouvais que c'était pas mal. Voilà, ça. Et ensuite, j'ai trouvé ces papiers-là. Alors, j'ai trouvé très jolis. Oh, je vais les ouvrir, en fait. Alors, c'est des papiers comme pour faire du un peu le style. C'est pas du décopatch, mais c'est un peu près pareil. Hein. C'est ces papiers qui sont pas trop épais. Et qui sont solides et qu'on peut en fait coller avec de la colle vernis sur plein de supports différents. Et non, alors je vais ouvrir comment je vais faire. Et donc vous pouvez comment dire utiliser sur que je dise pas de bêtises sur du bois, sur du papier mâché, sur du MDF, sur du carton, sur de la terre cuite, de la céramique, de la toile, du plastique et du verre. Donc, ça fait quand même beaucoup de supports. Ah, mince alors. Ben, je ne voulais pas déchirer, mais... Et donc, ah, voilà. C'est quand même fou, ça. Ah, voilà. Voilà, et donc voilà, c'est des petites feuilles comme ça. C'est tout fin en fait, hein. Et c'est comme pour le décopatch. Voilà. Je sais pas vous, mais moi je la trouve très très jolie. Donc il y a trois feuilles dedans, si je dis pas de bêtises. Il y a trois feuilles et elles font 26 cm sur 37,5. Et c'est du 22 grammes. Je dis, c'est très fin, mais c'est solide. Et du coup, on peut décorer tout un tas de petites choses avec. Même dans les cartes, hein, je peux les utiliser. Hein. Voilà, hein, je peux coller sur du papier. Hein. Enfin, moi, ce sera sur les cartes que je vais utiliser. Hein. Après, je peux peut-être sur du carton, je peux coller aussi. Mais, Et en plus, je trouve que les décos des papiers, ils sont trop beaux. Enfin, des emballages. Parce que, regardez, on peut récupérer ça. On peut récupérer la petite cage avec le cœur dedans. Je trouve que c'est très joli. Voilà. Et c'est celle-là. Regardez. 100 euros. Et c'était 59 centimes. Mais j'ai trouvé que celle-là. Hein. Je n'ai pas trouvé d'autres. Et donc, c'est 100 euros. Et ensuite, j'ai trouvé ces deux-là. Alors, ces deux-là, ce n'est pas 100 euros. Ces deux-là, c'est du rayère. Voilà, mais c'est exactement les mêmes papiers. Hein. Et celui-là, c'est avec des montres à gousset. Et celui-là, c'est avec des voitures. Un peu, ça fait un peu vintage. Hein. Je trouvais que c'était assez joli. Voilà, ça fait comme les voitures des années 70. Hein. C'est pas mal. Voilà. Et donc ça, c'était à chaque fois bah, 59 centimes pièce. Voilà. Donc, bah voilà, ça, c'était pour Nose. Alors, je ne sais pas, alors, je vais voir de combien, enfin, ma vidéo, combien de temps déjà j'ai fait du blabla. Parce que ça va être long, l'autre, elle va être 18 minutes. Ouais, bah, je vais me dépêcher quand même après, hein, parce que, quoi que j'aurais peut-être pu faire en deux fois. Oh non, je vais faire en deux fois. Je vais arrêter là la vidéo pour le, tant pis, je vais faire là que le haul pour Nose, voilà. Et je vais faire une autre que pour Action. Ça va être mieux. Parce que sinon, c'est trop long. Allez. Parce que l'autre, ça va, l'autre je pense qu'elle va être longue. Vous devez être en train de vous dire, mais qu'est-ce qu'elle a trouvé? Vous allez voir. Allez, sur ce, je vous dis à très vite. Ah oui, donc, je précise, parce qu'on me pose tout le temps les questions, quoique je ne sais pas pourquoi je le dis, parce que de toute façon, la plupart du temps, on me redemande alors que je l'ai dit dans la vidéo. Mais là, donc, je suis allée au Nose de Allon. Donc, c'est au Nose de Allon que j'ai trouvé les petites roses. Je suis allée au Nose qui est à côté d'Auchan, voilà, dans l'espoir de trouver les petites roses roses. Mais en réalité, là-bas, j'ai trouvé que le ruban et les pinceaux, je crois. Je crois que... Non, pas les pinceaux, dis des bêtises. Les lapins, voilà. Ça, ces deux petites choses-là, ça, c'est juste ce que j'ai trouvé au Nose à côté d'Auchan. Il n'y avait rien en scrap, mais rien, hein. S'ils en ont eu, eh ben, ils ont été, ça a été liquidé. Hein. Pas,
Enfin, si, du ruban, un peu de ruban, mais il y en a toujours du ruban chinois, hein. Mais sinon, je n'ai rien trouvé d'autre. Voilà. Allez, sur ce, je vous dis à très vite. N'oubliez pas, petit pouce en l'air, petit commentaire. Et je vous dis à tout de suite pour la vidéo du haul de chez Action. Bisous, bisous.